J'aime les mots. Je suis fascinée par les personnes qui ont le sens de la répartie, qui utilisent toujours le mot approprié au bon moment, qui jouent avec les mots comme à la Wale. Et donc, un peu dans cette logique, je suis admirative de Calix Beyala, auteur camerounaise qui, quand on l'écoute à la télé, à la radio, ou qu'on lit ses œuvres, on ne peut qu'être d'accord sur le fait que elle a une éloquence incroyable et une dextérité verbale remarquable. À l'époque, je lisais beaucoup de livres ben, scolaires, des livres également sur l'histoire des héros et héroïnes africains. Donc, c'est un peu par hasard que je suis tombée sur un des livres de Calix Béala, c'était Seul le diable savait. Déjà, le titre avait un petit goût d'interdit, un peu choquant, mais pour moi, c'était un coup de foudre littéraire, en fait. La construction des phrases, l'histoire, ça parle d'une lignée de femmes, en fait. Il y a des réalités tristes et drôles, un peu de conte. Pour moi, c'était vraiment très intéressant. Certaines personnes vont dire qu'elle est trop dans l'érotisme, mais moi, ce que je vois, ce que j'ai vu et qui m'a plu, en fait, dès ce moment-là, c'est son féminisme. Sa force de caractère, son engagement, et même si et même ses prises de position qui parfois peuvent déplaire en fait, mais qui montrent vraiment quelqu'un de réellement engagé. Et c'est véritablement ce qui. J'ai lu une grande partie de ses œuvres qui, même si elles parlent principalement des femmes, de leur combat, de leurs conditions, peuvent être lues par tout le monde. Bah, je dirais quand même qu'il vaut mieux que le public soit plutôt un public averti. Ma sœur, d'érotisme, c'est de trop scènes un compliqué. peu sensuelles. Je ne sais pas comment Son écriture est plaisante, il y a un côté avec un tourbillon de figures de style et c'est super percutant. Donc là, on va voir ses œuvres par ordre chronologique. C'est le soleil qui m'a brûlé. C'est son premier livre qu'Alix Bialat l'a écrit en hommage à sa sœur morte à 23 ans. Une des phrases de la quatrième de couverture résume presque le roman. Donc, début de citation. Dans le bidonville où elle a grandi, abandonnée par sa mère. Atéba cherche avec désespoir sa place dans une société où la femme n'a qu'un droit, se taire. Fin de citation. Tu t'appelleras Tanga. Fait et publié l'année suivante, c'est l'histoire de deux femmes, une noire et une blanche, détenues dans une prison d'un pays d'Afrique. Une des phrases du livre est « Je vais mourir femme ». Il y a un certain fatalisme, mais aussi un certain espoir dans 3 ans plus tard, lorsque Calix Béala avait 31 ans, elle a écrit Le Petit Prince de Belleville, pour lequel elle avait été accusée de plagiat. Ce sont un peu les chroniques d'une famille d'immigrants et la vie d'un quartier vue sous l'angle d'un petit garçon. Puis il y a eu Maman a un amant, qui a reçu le prix littéraire d'Afrique noire. C'est le personnage principal du roman précédent, donc Le Petit Prince de Belleville, qui nous parle ici de sa mère, donc qui, comme vous l'aurez compris, a un amant. Il y a une citation du roman qui est assez intéressante. C'est le père et mari polygame de la mère qui s'exprime. Début de citation. La liberté des femmes, c'est de la mauvaise graine. Elle pousse n'importe où, même entre leurs cuisses. Fin de citation. Ensuite, il y a eu Assez l'Africaine. C'est l'histoire d'Assez. Puis, il y a eu Lettre d'une Africaine à ses sœurs occidentales. C'est un livre intéressant pour se rappeler qu'on peut être dans un pays où nous sommes libres de vivre nos vies, libres de disposer de nos corps, libres de nos fréquentations, mais il est nécessaire de ne pas oublier que nos semblables ont des combats et nous devons les soutenir, car si une est prisonnière, toutes les autres le sont ou peuvent l'être. Ensuite, il y a eu Les Honneurs perdus, pour lequel Calix Béala a reçu le grand prix du roman de l'Académie française en 1996. Et il y a une phrase que je trouve assez drôle. Début de citation, que ceci soit clair, je m'appelle bien Saïda Benirafa. Jusqu'à 41 et quelques années, je n'avais jamais quitté New Bell Douala numéro 5. Je n'étais pas encore la jeune fille de 50 ans qui passionne Belleville. Fin de citation. Après, il y a eu la petite fille du réverbère, ça c'est un de mes livres préférés de Calix Béala, qui a reçu le grand prix de l'UNICEF. C'est un peu son autobiographie. Il y a deux citations qui montrent le côté combatif de Calix B. Le premier début de citation, je n'avais pas de destin. Mais comme disait maître d'école, il faut le crier. Fin de citation. Et la seconde, c'est chaque fois que tu grimperas dans l'arbre, il y aura toujours un imbécile en dessous qui criera, regardez, elle a un trou dans sa culotte, oh! Tu auras deux solutions. Soit tu te retourneras et tu tomberas, soit tu continueras à grimper dans l'arbre. Fin de citation.
Ensuite, il y a eu La Négresse Rousse, Amour Sauvage, Comment cuisiner son mari à l'africaine. Dans cet ouvrage, il y a de vraies recettes délicieuses et de nombreuses métaphores. C'est très intéressant à lire. En fait, disons que les avis sont assez partagés sur ce livre. C'est l'histoire d'une femme africaine noire, mais qui se veut blanche et qui tombe amoureuse et veut séduire un homme noir africain. Quand je l'ai lu, ça m'a fait penser à une phrase que la grande sœur d'une copine nous avait dite. Un homme s'attrape toujours par le ventre et le bas-ventre. Ensuite, il y a eu Lettre d'une Afro-Française à ses compatriotes. C'est une sorte de pamphlet contre le racisme. Je l'ai moins apprécié, mais disons que j'avais lu entre-temps d'autres ouvrages faits par des Américains et je l'ai trouvé plus intéressant. Et en fait, quand j'ai vu le titre de ce livre-là, je me suis dit, ah, quand elle a... Ensuite, il y a eu Les arbres, on parle encore, Femme nue, femme noire. Dans le livre suivant, La plantation, Calix Béala se met dans la peau d'une fille blanche de propriétaire terrien blanc, donc dans un Zimbabwe où le président souhaite redonner leurs terres aux habitants originaux, donc les populations noires, en les reprenant. Certains diront exproprier les blancs. L'histoire ne m'intéressait pas trop, donc je ne l'ai pas lu. Il y a eu ensuite L'homme qui m'offrait le ciel. C'est un roman autobiographique qui raconte en substance l'histoire d'amour passionnel de Calix Béala et d'un présentateur de télévision français qui l'a quitté en disant, je le cite, Que vont dire la presse et la France profonde si on apprenait que j'ai quitté ma femme pour une femme noire? Certains diront que c'est un livre sur notre société pour savoir si la passion peut lutter contre les pressions sociales, le confort des habitudes et la peur de l'inconnu. Là, je cite un site internet. Mais d'autres personnes pensent que c'est uniquement le livre d'une femme abandonnée qui veut se venger, car il y avait des lettres personnelles en fait dans ce. J'ai lu ensuite le roman de Pauline. C'est un livre qui a été publié il y a 11 ans. Mais dont l'histoire est très actuelle, très triste, même si elle reste pleine d'espoir. C'est l'histoire de Pauline, adolescente de 14 ans. Une des citations du livre, c'est À Pantin, il est plus facile de gifler une nana que de lui dire je t'aime. Plus facile de la violer que de lui dire je t'aime. Plus facile d'aller lui cueillir des étoiles que de lui dire je t'aime. J'ai eu Les Lions Indomptables, 50 ans de bonheur. Je dirais que c'est un livre un peu plus consensuel. Je ne l'ai pas lu. Il est question de l'équipe masculine de football camerounais, de ses supporters, de son histoire, de ses succès. Son dernier livre qui a été publié à 5 ans, c'est Le Christ selon l'Afrique. Quand j'ai vu le titre, au départ, je pensais la Bible revue sous l'angle d'un Christ noir, ou en fait, que serait la vie si toutes les images de Christ qu'on voit, en fait, étaient avec un Christ noir, en fait. Mais ce n'est ni un livre sur Jésus, ni sur la religion, au sens religion, au sens biblique du terme, ça parle plus de la société camerounaise et peut-être un peu de toutes les sociétés africaines via moult personnages dont Bourial, l'héroïne principale. Une citation du livre particulièrement intéressante me fait un peu penser à l'actualité. Début de citation, L'Afrique est sur la croix. L'Afrique, c'est Jésus. Elle meurt. N'hésite pas en commentaire à me donner le nom de tes auteurs préférés avec des titres de livres, notamment ceux qui t'ont vraiment plu. Ça me ferait plaisir de les découvrir.